a pris pour dire je t'aime. C'est le seul qui reste au bout. Mais il est l'un d'entre aujourd'hui, mesdames et messieurs, Jacques Grandet. Ici, dans ma région, je viens le faire, puis je viens le faire dans un endroit qui est spécial. Je pense qu'on en a un là, qui réussit bien ici, qui s'appelle Jean Tremblay, puis qui nous amène à avoir une histoire privée, le premier au Québec. Puis c'est pour ça que je viens le faire ici. C'est vraiment spécial. Parce que, ça a commencé avec toi, les histoires. Viens-t'en. Moi, j'ai commencé avec le sport de la Paris Saint-Roch avec un petit bonhomme de 9 ans. Puis, il dit avec moi, c'est François Bourbonnière, qui aujourd'hui est allé à combien d'Olympiques, François? Trois Olympiques. Il est deuxième au monde dans le sport pratique. On a commencé, il y avait 9 ans, puis ça prenait 10 ans. On a menti qu'il puisse être dans l'équipe. Dans ses yeux, c'était écrit qu'il y avait des rêves. Qui voulait aller vivre ces rêves-là. Ben moi, je l'ai cru, puis lui aussi. Puis si j'ai écrit ce livre-là, c'est en grande partie à cause de toi. Si la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est pas d'avoir travaillé avec quelqu'un ou qui que ce soit, c'est d'avoir travaillé avec toi. Je voulais te dire. Richard, Nibzen, viens là, je vais t'imiter.
m'avait vu qui avait dit pourquoi un problème de dos, toi, papa? J'ai dit, mon Dieu, mais il vit dans mon dos. Puis c'est ça, on a commencé à être très, très amis, très proches. Puis j'ai lu son livre avant tout le monde et je tiens à vous dire que c'est un excellent livre. Puis j'ai beaucoup aimé. Puis c'est bien le fun. Ce à quoi il nous amène, il nous fait penser à des choses qui rendent la vie plus belle, plus facile, puis moins compliquée. Fait que je te souhaite vraiment bonne chance, Sylvain, je t'aime beaucoup, puis c'est vraiment un être de beaucoup de charisme, puis tout le monde aime ce gars-là. C'est vraiment, je te dis, là, merci, puis félicitations, puis j'espère, comme je me disais, que tu vas en vendre 200 000 au moins. Je peux pas remercier tout le monde, mais effectivement, merci beaucoup, beaucoup d'être là. C'est que je voulais montrer que le mot « pas », c'est négatif. Faut pas faire ça. Mais qu'on peut le changer en positif. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que je me suis astreint de prendre seulement trois lettres. Parce que peu importe ce qu'on vit dans la vie, si on prend le potentiel qu'on a, on peut toujours réussir. Mais réussir, c'est pas l'argent. C'est pas la gloire. Réussir, c'est d'arriver à vivre sa vie comme on l'entend. Puis vivre sa vie comme on l'entend, c'est d'être soi-même et de rester soi-même. C'est pour ça que ça s'appelle « Dans mes souliers, devenez vous-même ». Ce qui veut dire que mon souhait plus cher, c'est quand vous lisez mon livre, vous dites « Hey, je me connais un peu mieux ». Et si je me connais mieux, je vais prendre de meilleures décisions. Je prends des meilleures décisions, ma vie risque d'être plus belle, puis je risque d'être plus heureux. Et si je suis plus heureux, je risque d'être moins malade. Barabé qui est notre instructeur est enceinte. Puis là, ben, elle a des petits mots de cœur. Fait que probablement que le bébé est déjà bien avec sa base. Jessica Dubé, si tout le monde a vu à la télé avec un camo spin, elle a reçu le patin de Bryce. Bryce a choqué, il a donné du patin. L'histoire, c'est comme ça, c'est pas tout. Puis on a avancé. On a toujours travaillé ensemble dans le pédagogie du sport. Puis là, ben, on se présente à la télé. J'espère que Jérémy va en parler assez cassé, que vous avez donné une médaille cette année. Fait que je voulais juste vous les présenter et surveiller les liens parce qu'en fait, on a une chance, comme une promo aujourd'hui pour notre chance. Bon, ce soir, vendredi. Donc vendredi, il sera du nom. Merci. Tu sais que tu veux qu'on m'en charge?